Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Super Skid Marks sur Mega Drive. C'est un jeu qui est sorti en 93 à la base sur, il me semble que c'est sur Mega CD, Amiga aussi, ou Atari, je ne sais plus. Et nous avons joué donc la version Mega Drive. Alors on va rentrer un pseudo. Alors vous allez voir, la musique est assez, assez particulière, mais je la trouve plutôt pas mal pour la Mega Drive. Je sais que la Mega Drive a souvent eu des musiques pourries, mais là, là ça va. Plutôt. Alors c'est parti. On va donc commencer tout de suite. Vous avez vu rapidement dans le mode démo à quoi nous allons jouer. Donc là on va faire start. Il me semble que c'est comme ça. Voilà. Il faut attendre le décompte et après on va donc passer au stade suivant. On va regarder un petit peu les options du jeu pour commencer. On a donc le nombre de tours. Donc on peut voir la time, on peut l'activer ou le désactiver. On peut avoir un display en mode single. Qui pour l'instant ne change pas. On peut choisir d'activer les temps autour. Je pense qu'on va le faire. Comme ça on pourra un petit peu voir un peu de temps. On peut mettre donc un mot de passe pour débloquer les choses. Et le nombre de tours. Donc on peut faire 4, 8, 12 ou plus. On va laisser 4 tours. On va faire exit. Donc si vous vous souvenez, il y a pas mal de temps, on avait fait le jeu Generali qui était concrètement une sorte de. De Skid Marks en fait en version plus récente, enfin quand je dis plus récente on parle des années 2000, hein, 2005 ou 2006 je sais plus. Et ça ressemblait beaucoup à ce jeu, mais ce jeu est plutôt... Et puis quand étant sorti avant on peut dire que c'est pas lui qui pose les bases en fait. Alors il y a beaucoup de jeux de ce style, vous allez voir, hein, ce jeu n'invente rien. Mais il était quand même assez connu parce qu'il était plutôt bien réalisé. Alors je vous propose de faire un petit match race. On va donc choisir notre véhicule, on a plusieurs véhicules au choix, on peut en débloquer au fur et à mesure. Alors il n'y en a pas tant que ça, hein. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 maximum, même un peu moins, c'est 6 véhicules différents. Donc vous voyez, j'ai déjà mis mon nom. Je peux changer, alors vous voyez, vous ne voyez pas forcément très bien, mais je peux changer avec le bouton C, je peux changer ma voiture. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les modèles disponibles au début. Donc on a la petite Mini Cooper, vous l'avez reconnu. Maurice, je crois que vous voulez l'appeler, enfin bon, voilà, ce genre de petite voiture mignonne. On a une sorte de buggy qui, je pense, c'est coccinelle, hein. Coccinelle montée sur pattes. On a un monster truck et on a une voiture plus de sport. On peut débloquer après, je crois, 2 ou 3 autres voitures une fois qu'on a réussi les championnats. On a même une Formule 1, on a même une voiture, je sais plus ce que c'est, toujours c'est une vache, hein. C'est un peu bizarre, mais on, voilà, on débloque des voitures en étant en mode championnat. Alors, je vous propose de garder la voiture que, on a la voiture rouge, donc c'est facile à reconnaître. Je ne veux pas changer la couleur d'ailleurs. On va changer la course. Donc normalement, si je vais dans Settings, je peux changer voilà, la voiture, le style, donc DOHC ou Turbo. Bon, j'ai pas trop vu la différence pour le moment. Je pense que Turbo, on doit peut-être aller plus vite. Et changement de style, ben, on peut choisir en fait l'environnement dans lequel on va évoluer sur le circuit. Donc par exemple, je peux mettre un environnement type plage, c'est ce qu'on va faire. Retour typiquement de l'été sur cette vidéo, enfin on est encore un peu loin mais il commence à faire pas mal beau. Donc là c'est bon, on a changé, on va faire exit et du coup on va faire course. Donc la musique tourne et tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton pour démarrer, la course ne démarre pas. Donc on va commencer la course, vous voyez c'est une vue dessus en vue isométrique, les voitures sont en... C'est pas de la 3D réellement, c'est juste des sprites qui ont été faits de plusieurs côtés pour donner l'impression quand ça se tourne qu'on est dans un modèle 3D. Sinon, tout est plus ou moins en 3D visuellement, mais c'est de la vue isométrique. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir ici, il y a 6 voitures. Et le but, ça va être évidemment de gagner la course. C'est parti! Alors, donc on accélère, on peut freiner, marche arrière, marche arrière. On a pas mal de dénivelé, comme vous pouvez le voir sur le circuit. Et il faut évidemment connaître le circuit par cœur si on veut être assez fort contre l'IA. Alors c'est les circuits que je découvre au fur et à mesure, donc je me suis entraîné un tout petit peu sur un ou deux circuits, histoire de pas trop être ridicule. Mais réellement, il y a certains circuits qui vont poser problème, c'est la première fois que vous jouez. C'est surtout très difficile dans le sens où, ben, en fait on a un axe qui change à chaque fois. Oula, on s'est croisé. Et du coup, il faut adapter en fait la trajectoire de sa voiture un petit peu en vue du dessus, et quand on n'a pas l'habitude, bah c'est compliqué. Alors j'avais l'habitude avec le jeu Generali, donc ça me pose un peu moins de problèmes. Mais je peux vous avouer quand même que ça reste compliqué. Comme vous pouvez le voir ici, bah, on est dernier.
Alors je peux ralentir, j'accélère comme un bourrin. Une fois que vous avez la trajectoire, de toute façon, vous allez comprendre comment gagner un peu de temps. Vous allez commencer à rattraper vos concurrents. Pour le moment, c'est pas trop ça. Voilà, j'essaie de rattraper au moins l'avant-dernier pour pas terminer dernier, ça serait cool. Et encore, je dis ça, mais je vais quand même terminer dernier. C'est pas grave. Hop. On a terminé dernier. Et toutes les voitures se lèvent d'ailleurs quand on arrive sur la ligne d'arrivée. On a des petits bonhommes animés aussi sur la piste. C'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi dans les jeux de Formule 1, dans l'épisode des. Enfin, dans l'épisode. Dans les parties. Les consoles, c'est vite. Pourquoi ils n'ont pas fait des jeux de Formule 1 un peu comme ça? Avec un circuit peut-être un peu plus large, un peu plus long en distance. Mais on aurait une vue d'ensemble comme ça. Et ça aurait été vraiment plus intéressant. Alors on peut voir que j'ai fini donc 17 secondes, donc j'ai fini. Alors je crois que c'est les meilleurs temps autour. Il me semble en fait quand on fait le meilleur chrono, on gagne un point de plus. Normalement je crois que c'est 5, 3, 2, 1, quelque chose comme ça. Et quand on fait un meilleur tout meilleur chrono, on a un point de plus. Je peux me tromper. On va voir. De toute façon, on va tester sur un tracé. Donc là on va passer à une seconde course. Du coup on va faire setting et on va changer le style. On va mettre par exemple le style neige. Démarrer la course. Alors c'est une seule musique qui tourne en boucle, vous l'avez compris. Mais bon, c'est pas grave. C'est parti. Alors on est évidemment sur une version qui est quand même un cran en dessous des versions, on va dire micro-ordinateurs de l'époque. Mais comment dire, franchement ça va. Ça va. Franchement pour l'époque c'est pas du tout dégueulasse. Je fais n'importe quoi. Oula, il est compliqué ce circuit. Hein. Il est vraiment pas évident. Je suis complètement à l'agonie. On va essayer de se concentrer un minimum pour essayer de pas trop se prendre les rebords. Voilà, alors quand on tape, évidemment, on perd beaucoup de temps. Il n'y a pas de dégâts dans le jeu, hein. Vous allez juste rebondir contre un mur, mais ça vous fait perdre beaucoup de temps. Et vous allez voir, l'un des défauts majeurs en général à l'époque de la Mega Drive, notamment contre sa concurrente qui était un petit peu plus récente quand même, hein, Super Nintendo Famicom étant sorti après la Mega Drive, ou la Genesis si vous êtes aux États-Unis. C'était surtout le fait que, en termes de nombre de couleurs, la Mega Drive en gérait moins en fait en même temps. Il y avait une palette de couleurs beaucoup plus réduite. Et du coup, on avait un aspect assez contrasté et on avait beaucoup moins de facilité à afficher beaucoup de couleurs à l'écran. Et vous pouvez voir au niveau du circuit là que les dégradés sont assez faibles. Il n'y a quand même pas beaucoup de couleurs différentes. Et pour un jeu comme Skidmark, c'est assez paradoxal parce que finalement, on roule avec plein de voitures et des couleurs totalement opposées. Du coup, la console, on lui donne. Elle est au taquet, quoi. Allez, c'est parti, on va passer à la suite. Je suis vraiment nul, hein. Alors, si je voulais vous montrer au moins une course sympa où je ne loupais pas. Ben, ça sera pas maintenant. On va faire setting, on va changer le style. On va prendre par exemple. Ben, pourquoi pas le désert? Allez, on va prendre le désert. On va revenir en arrière. On va faire course. Et là, je vais essayer de faire une course un peu meilleure. Ok, c'est parti. On part en tête, j'espère que ça va m'aider. Oh là. Attention, le premier virage. Ouais, voilà, je me suis pris l'intérieur du virage. C'est marrant parce que les bruits sont assez assez moches. Hein. C'est pas vraiment la qualité du jeu, loin de là. Ils sont un peu moches, mais ça va. Le pire. Par contre, ce que j'aime, c'est certains chocs. Je suis vraiment nul. Hein, c'est impressionnant. C'est fou comme le fait d'être enregistré. On n'est complètement pas concentré. Du coup, on fait n'importe quoi. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que ce circuit je l'ai gagné du premier coup. En jouant tout à l'heure, juste avant, pour voir si le jeu fonctionnait bien. Et là, bah, je vais me retrouver bon dernier. C'est magnifique. Allez, je vais me taire un petit peu, je vais me concentrer légèrement, puis on parlera de la suite après. J'ai fini dernier. C'est pas grave. Je commençais à les rattraper un petit peu, mais c'était un petit peu trop tard. Oui, je disais, les sons sont un petit peu bof, mais les collisions, en fait, t'as l'impression d'avoir une petite balle de golf qui est tac tac tac, c'est assez bizarre. Et regardez, j'ai le meilleur temps autour, donc voilà, c'est bien ce que je disais. J'ai fait un tour en 12 secondes, lui, donc je vais pas mentir en disant que la dernière fois, j'étais quand même plutôt rapide. On va tourner plus rapidement qu'eux, et du coup, j'ai un petit point. Ce qui
fait que ça peut être vraiment utile, par exemple, si vous terminez par exemple deuxième ou troisième, bah, de grappiller le petit point en faisant un meilleur tour. En général, si vous faites le meilleur tour, c'est quand même d'être rapide, donc logiquement, vous devez être un peu plus haut au classement. Alors, je vous propose de faire... on va quitter le match, et on va passer en mode championnat. Vous allez voir, il y a quelques championnats différents. Du coup, on va faire start. Voilà. On va faire start à nouveau, je vais rentrer mon nom. Alors, c'est super. Voilà. Hop, on passe à la suite. Bon, ça c'est le côté un petit peu rébarbatif. Vous remarquerez qu'il y a un autre pré-start en dessous. On pouvait jouer à 2 sur la console. Et sur d'autres supports, on pouvait jouer jusqu'à 4. Voilà. Attends un petit peu. On passe à la suite. Donc là, on va passer donc, dans les options que je vous ai montrées déjà avant. Pourquoi je vous reviens à l'option. On va dans le mode championnat. Et vous pouvez voir qu'on a voilà, plusieurs championnats. Donc on a un championnat de rallye, par exemple. Donc vous pouvez voir ici qu'on est avec les Monster Truck. On a un championnat de Surf Showdown. Donc là c'est plutôt avec des coccinelles surélevées. Là on va avoir les coupes hiver, donc avec les mini qu'on a utilisé avant. Il y a le Cowboy Fever, la fièvre des cowboys, ben voilà tout ça. Avec la voiture un peu américaine. Il y en a qu'est-ce qu'on a d'autre. On a poisson, on a que ça. Donc on va prendre, on se parle le premier, on va faire le Rally Championship. Voilà, donc course 1, étape 1, et on va commencer le circuit du Old Juice Farm. Donc c'est parti. Alors je vous dis pas que je vais faire un bon championnat, j'ai aucune idée. Allez, c'est parti. J'étais un peu rapide au départ, mais ça me permet de m'insérer à l'intérieur. Oh, regardez-moi ça. Et ça se touche dans tous les sens. Oh là là, aïe aïe. Oh, les gros accidents. Voilà, on va passer par là. Alors, je pense que le niveau de jeu augmente peut-être au fur et à mesure des championnats. On va essayer déjà de voir si on s'en sort sans bien. Alors, j'ai souvenir d'un jeu de ce style auquel j'ai joué il y a pas mal longtemps avec mon cousin. Ça ressemblait beaucoup à ça, on pouvait jouer à deux. Mais la seule différence, c'est que, en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans le jeu, on pouvait améliorer en fait notre véhicule. Je ne saurais absolument pas vous dire sur quel support c'était le nom du jeu, je ne me souviens pas. Et malheureusement, pour moi, mon fameux cousin en question n'a plus envie depuis longtemps. Donc du coup, bah voilà. Donc c'est un des rares souvenirs que j'ai avec lui. Et ça restera toujours des bons souvenirs. Bon voilà, 36-15 miles avant l'oubli. Mais j'aurais bien voulu retrouver ce nom de jeu. Parce qu'il était aussi excellent que ce qu'il marque. On est joué sur un PC, alors je sais pas si c'était d'émulation, on parle en 2000-2001, mais le jeu était déjà vu à l'époque. Hein. Je crois que c'est même un jeu Super Nintendo peut-être. Donc c'est bon, on a fait le meilleur tour. Du coup on a 6 points, ça c'est bien, on a le score parfait. Du coup on prend un petit peu d'avance au championnat, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite on va voir le camp du grand-père. Je pense que ça va être un Grandpa. Avec un S. Ah bah oui, c'est l'appartenance, le S d'appartenance. Aïe aïe aïe, l'anglais. Alors là cette fois-ci par contre on part dernier. Donc j'ai commencé à être un peu plus compliqué, c'est parti. Alors je ne sais pas s'il y a un super départ, peut-être pas, j'en ai aucune idée, je vous avoue. On va essayer de repasser par là, voilà. Voilà, c'est ça qu'on l'a fait tout à l'heure, hein, si vous avez peut-être reconnu. Aïe, attention. Oh là là, ça se tâte dans tous les coins. Et voilà, c'est bon, je suis quatrième pour le moment. J'aimerais faire un bon tour, histoire de grappiller un point si je n'arrive pas à gagner. Ah là, j'ai tapé encore. Ouais, je suis au ralenti, je perds beaucoup de temps. On va essayer de prendre l'intérieur, ouais, c'est pas mal. Aïe, on a retapé. Et là, on a tapé aussi. Bon, j'ai fait un tour vraiment mauvais et je me retrouve dernier maintenant. Je perds énormément de temps. Allez, il faut vraiment jouer avec l'IA pour essayer de ne pas trop perdre de temps. Voilà. Et des fois, l'IA nous permet d'avoir un petit coup de boost. Voilà, là par contre, j'ai un coup de boost. Bon, ça m'a envoyé dehors, mais c'était pas prévu. Mais ça aurait pu m'aider en termes de vitesse pure. Oh là, je suis dernier. On va essayer d'aller à fond. Et je termine malheureusement, bon, dernier. En un 4 tours en 16 secondes. C'est peut-être mon meilleur tour, mais c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est l'IA qui a fait le meilleur tour en 15 secondes. Mon tour il est en 16, hein. Je suis vraiment mauvais. Et du coup au classement actuel on est... Ah, Race 2, Attempt 2, ok. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que je finisse dans le top 3 peut-être. Ok, on va pouvoir commencer.
Je sais pas combien de chances on a par contre, hein, pour passer à la suite. Allez, c'est parti. On va essayer de garder l'intérieur pour pousser un peu tout le monde. Aïe, attention. Oh là là, je... Oh ben voilà, je suis dernier en l'espace de 4 secondes. Bah, ça va pas rater. Voilà, donc du coup... On va essayer de... Bon, on va essayer de prendre... D'ailleurs, ça a bien marché tout à l'heure. Aïe. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une technique en fait pour mieux... Pour gagner un peu de temps. Là, je vais rester à l'intérieur. Là, j'ai passé à l'extérieur. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester... Ouais, rester à l'intérieur comme ça. Allez, le boost que ça m'a fait d'un coup. Là, j'aurais dû rester à l'intérieur. Je me suis loupé encore une fois. Mais là, je suis à l'intérieur. C'est parfait. On reste à l'intérieur ici. Pour pousser tout le monde. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais on peut peut-être y arriver. Allez, on... Oh là, mon dieu, je suis dernier quasiment maintenant. Et on va terminer le dernier tour. Alors, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Prendre la meilleure. Ouais, sur le deuxième. C'est bon. On prend l'intérieur encore à nouveau. On est trop tourné. Parfait. Encore une fois à l'intérieur. Et on va se dégager. On va peut-être gagner la course. Oui. Allez, 14 secondes. J'espère que ce sera le meilleur temps. Ça serait pas mal. Vu que je suis bien remonté, il y a peut-être moyen. Ouais, on a fait un tour. Une seconde de mieux hein, que le second. Que l'édit. Et là, du coup, on passe. C'est parfait. Donc, on a 12 points. Okay. On va faire le circuit de Spiral County. Alors, je n'ai pas trop parlé du titre. Skid Marks, en fait, c'est dérapage. Donc, c'est super dérapage en gros en français. Voilà. Alors, on va faire notre circuit. Ouh, il a l'air assez intéressant celui-là. Il y a pas mal de dénivelés. Les dénivelés, alors, on joue vraiment. Hein. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a une grosse différence. Et je sais pas si vous avez remarqué à l'instant. En fait, on peut pas se tromper, on peut pas se retrouver à l'envers ou sur la mauvaise partie du circuit. Tout simplement parce qu'il y a un mur invisible qui se crée une fois que vous êtes déjà passé dans la zone. Et du coup, bah vous pouvez pas en gros, voilà, je peux pas aller à droite ou à gauche ici par exemple. J'ai oublié de continuer. Et je vais m'arrêter 30 secondes, vous allez écouter le bruit du dérapage et je vais vous dire à quoi ça me fait penser et peut-être vous aussi. Un tour en 14-8. Bah écoutez, ce bruit de dérapage, moi il me fait penser, je vous le dis dans le mille, au son de dérapage de Toka 1, le tout premier Toka. Écoutez bien ce son, mettez une vidéo YouTube, peu importe laquelle, regardez juste le démarrage, un départ dans le jeu, et comparez, vous allez voir, c'est exactement le même bruit. En plus, c'est Codemaster pour les deux jeux, donc ça serait même cohérent. Je précise que je crois que la version Mega Drive est sortie en 95. On est vraiment à la fin de vie de la console, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et on a fait le meilleur tour, ce qui me permet de marquer 3 points. Ce qui est le minimum, j'ai envie de dire. Et du coup, on va passer à la seconde course, qui est la course de Gazville Fair. Et on va donc commencer. Alors, je ne sais pas combien de courses il y a par coupe. Il y en a 4, 5. Je pense qu'il y en a une tonne, mais bon. Et là, on partira encore dernier. On part dans le sens en fait inverse du championnat. Là, ça a l'air un peu plus un peu plus serré, vous l'aurez compris. Passer par là, passer par là. Alors, faut se souvenir des tracés aussi, hein, parce que au début, heureusement que les IA sont à côté de moi pour me dire voilà, il faut passer à droite ou à gauche. Mais instinctivement, j'aurais tendance à me planter. De toute façon, une fois que vous faites le jeu en long, en large, en travers, vous allez commencer à connaître les circuits. Ah, par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient pas gardé la musique pendant le jeu, ou mettre une autre musique à la limite. Je pense que niveau mémoire, il devait quand même y avoir la place sur la cartouche. Parce que là, bon, on a le son des voitures, pourquoi pas, mais c'est quand même ultra light quand même. C'est assez, c'est une ambiance très calme. Là, je me fais comme planter. Ah, j'y arrive pas. Ça sert que je vais avoir du mal, je pense, à mon avis. Je vais terminer dernier. Vraiment, vraiment dernier. Hein.
Ouais, je pense que je suis super loin. Je pense qu'en temps de tour, je dois être vraiment ultra nul. Regarde, je suis à mon meilleur chrono, il est à oh mon Dieu, il est quasiment à 2 secondes, demie, 3 secondes. Et du coup, je vais avoir une deuxième tentative pour repasser, je pense, voilà, FM2. Donc on va recommencer. Alors j'espère que je vais faire un petit peu mieux. Je sais pas combien vraiment j'ai de possibilités en fait. J'ai entendu, il y a un petit bruit de bloop, je sais pas à quoi ça correspond. Aïe. Ah là, je suis vraiment pas bon hein, ce circuit. Faut être beaucoup plus précis. Alors, c'est le genre de jeu qui est très jouable aussi à la. Enfin, si vous avez besoin d'un clavier pour jouer au clavier, ça marche très très bien avec les flèches directionnelles. C'est pas le genre de jeu que vous allez galérer suivant le support. Ça reste. Aussi facile de réussir dans ce jeu à la manette qu'au clavier et inversement. Ah, je sais pas comment prendre ce putain de virage. Ouais, je suis encore terminé dernier, hein, vous allez voir. Je vais essayer de terminer un peu plus proche, histoire de être un peu moins ridicule, mais c'est pas ça. Ça glisse pas mal. Là, j'ai réussi à prendre l'intérieur, mais c'est un peu loin. Encore terminé dernier, 17 secondes 2. Je crois que j'ai même fait pire dans 17 secondes 0, dernier tour. Voilà, donc j'ai tourné un dixième plus rapide sur la deuxième course. Et du coup, je suis à l'étape numéro 2. Et est-ce que du coup, je suis éliminé si je réussis pas cette tentative? On va voir, on va le découvrir ensemble. Complètement mis dehors quoi. Oh la vache. Ouais là, je suis vraiment à la rue. On va essayer de les suivre. Ah, j'aimerais faire le moins d'erreurs possible là, mais c'est vraiment pas facile. Au moins essayer d'améliorer mon chrono quoi, pour montrer que j'ai un petit peu évolué course à l'autre. Allez, je me concentre un petit peu. Profiter de la musique. C'est une blague, bien sûr. Ouais, je pense que j'ai fait un tour correct pour une fois. C'était pas suffisant, ouais, 16 secondes. On a réussi à passer le pro. Aïe, non, je me suis encore fait toucher. On va essayer de les mettre dehors. On est des fous. On leur rentre dedans. Ah non, pitié, laissez-moi une place, j'en supplie, j'ai pas terminé dernier. Bon, on a fait mieux, on a fait un petit peu mieux. Ça passera pas, je pense, mais bon. On a fait 16-2, ce qui est pas mal, par contre, on marque 0 points. Et du coup. Qu'est-ce que j'ai bu ça? Bon, mais voilà, du coup, j'ai pas réussi. Aïe aïe aïe. Et du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je dois recommencer entièrement la coupe. Donc, franchement. Et c'était le premier championnat, hein. Donc pour vous dire à quel point quand même, le niveau de difficulté est quand même plutôt relevé. Ce que je propose, c'est qu'on va tenter un deuxième championnat, voilà, vite fait, pour découvrir un petit peu d'autres véhicules. Puis on s'arrêtera là-dessus. De toute façon, le jeu est très basique en soi, hein. Quand je dis basique en soi, c'est surtout le principe. Après, ça reste compliqué. Allez, championnat. On va pas prendre le rallye, on va pas prendre le. Ah, on pourrait prendre le Surf Showdown, pourquoi pas. Avec la coccinelle. Ah, oh, je vais vous montrer le tir Maiken peut-être. Ça fera plaisir. Je sais pas, j'hésite. Ah, pour une fois qu'on peut avoir une New Beetle, reprendre une New Beetle. Allez, c'est parti. Pas une New Beetle, mais c'est la Beetle tout court. Alors, le Bikini Jump, c'est parti. Première course. Tada. Temps de découvrir aussi un peu les véhicules. Alors, je n'ai aucune idée de leur maniement. Enfin, s'ils sont différents. Alors, j'ai l'impression que c'est un poil différent au niveau de la maniabilité. Je suis complètement dans le. Bon, le bruit est différent aussi, hein, vous aurez compris. Alors, par contre, là, le son est assez mauvais. Hein. Alors, on va pas se le dire.
C'est quand même loin d'être extraordinaire en termes de bruitage, mais bon. Là, je suis encore entré dedans. Ah, c'est moi où je vois pas le. Si, si, je suis juste deuxième. Donc, je pensais que j'étais troisième au moins. Ah non, le premier est encore dehors. Et on va taper. Alors peut-être que la coupe est encore plus dure que l'autre, hein. Ça se trouve, on va prendre un niveau de difficulté qui est encore au-dessus. Bon, on termine troisième. Je sais pas si on aura un bon temps. J'ai l'impression que j'ai fait un bon deuxième tour. Et... Oh, c'est méchant. Regardez, on a fait le même chrono, mais il a décidé que, bah, comme il était devant moi, il allait prendre 2 points supplémentaires. Du coup, j'ai que 2 points. Bon, c'est pas grave, hein, on va pouvoir passer à la suite. On va passer au Teaser Bay. Alors, ce sont des circuits qui sont assez similaires, vous l'avez compris, à part le décor qui change. C'est des circuits assez courts. Or, c'est quelques circuits différents. Oh, regardez-moi ça, c'est... Oh, voilà, là, on est complètement à la rue. Ah, bah c'est ce truc qu'on a fait tout à l'heure d'ailleurs. J'étais très très nul d'ailleurs. Oh là là, bon sang! Fait que taper tous les murs. Je garde un peu l'intérieur. Voilà, on va passer par là. J'ai mis une troisième, ça m'irait. Je suis quatrième en fait, je suis troisième. Plus quatrième que troisième. Là, je suis troisième. Parce que ça va durer, ça c'est autre chose. Ah, on a perdu beaucoup de temps là. Mirage. Allez, c'est le dernier tour. On a le petit bip qui nous dit voilà, qu'on va arriver. Il va falloir hurry up, il va falloir vite se reprendre. Aïe, j'ai tapé. Voilà, attention, intérieur. Ah, et sur la ligne. Ouf! Est-ce que j'ai terminé 3ème ou 4ème? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et d'après lui, je termine 4ème. Ah, oh, c'est dommage, c'est dommage. J'ai terminé pour combien d'écarts? Ah, on verra pas. On termine dans le même 10ème en tout cas. Une 9.07, une 9.07. C'est. Bon, c'est dommage. On s'est encore fait avoir. Est-ce que je passe à la suite par contre? Non, j'ai la TM2, donc on va recommencer. Moi, je vous montre un petit peu le troisième circuit. Es partido! Voilà. Même le haut-là est espagnol, c'est incroyable. Voilà, on prend bien l'intérieur. Alors, on a pas pu aller tourner l'intérieur aussi ici. Voilà, une fois qu'on connaît les circuits, ça commence à être un peu mieux. Par contre, le circuit d'avant qu'on a fait était vraiment, vraiment difficile. Enfin, en tout cas, par rapport à l'IA, on était assez loin. Alors, il faut faire attention quand on saute, parce qu'en fait, on peut tourner quand on est en l'air. Et du coup, on peut mal retomber. En plus, là, on s'est croisé, du coup, j'ai perdu du temps. Là, il est passé, mais à l'intérieur, voilà. Vous voyez, quand on saute, on peut bouger. Un peu ce que l'IA vient de faire. Et là, j'ai perdu énormément de temps en étant du mauvais côté. Alors, oula. On est dans le dernier tour. Il m'a poussé. Ça m'a permis de reprendre un peu de temps. Là, il est celui qui me pousse, par contre. Alors là, je l'ai touché. On s'est pris tous les deux un beau choc. Alors, on va essayer de prendre l'intérieur maintenant. Ah, ça n'était pas passé. Si. C'est bon. Alors j'ai fait 15-4, c'est là que j'ai encore le meilleur temps. Ouais, les autres n'ont pas le meilleur temps, je pense. On va voir. Et du coup, bah, meilleur chrono avec, donc c'est parfait, ça fait 6 points. C'est toujours bien. Et du coup, on va pouvoir passer à la manche 3. Le Angel Island. Et on est deuxième. Je pars avec moins de points d'avance que tout à l'heure. Mais vous avez vu, ça sert à rien, parce qu'il suffit de, pour un circuit, de louper 3 fois, ben, tout recommencer. Celui-là. Oula, ouais, alors lui il a l'air particulier. Oh mon dieu! Alors attendez. Ouais, c'est un parking géant le truc posé. Ok,
Ok, il faut que je passe par là. Après, il faut que j'aille ici. Quand je tourne par là. Alors là, typiquement, pour savoir où aller, c'est pas facile. Ah, j'ai réussi à bien prendre pour une fois. Aïe! Malheureusement, l'IA m'a envoyé. Envoyé dans les choux. Bon, sinon, que dire de plus sur le jeu? Bah écoutez, pas grand chose finalement. Hein. Ceux qui aiment ce genre de jeu vont adorer. Ceux qui préfèrent les jeux ultra réalistes. Pourtant, c'est un jeu Codemaster, regardez, c'est la suite du. C'est Formule 1 2021 qu'on est en train de regarder. Après qu'il ait fait son chemin. Alors, j'exagère, mais en gros, c'est quand même un jeu, il faut apprécier ce genre de jeu isométrique. Mais c'est un jeu qui est plutôt fun à plusieurs, en multijoueur, un peu comme les Micro Machines. On se marre plus en multi qu'en solo, même si en solo ça reste sympa. Et je m'en sors plutôt pas mal, peut-être que je vais faire un bon tour, on va voir. Aïe. Je crois que je vais finir. Non, j'allais dire je vais pas finir, mais. Ah, j'ai fini second! D'accord, je voyais les gens devant moi et je me suis dit, bon, peut-être que je vais finir quatrième ou cinquième. Et on a réussi, pas mal. Du coup, on est second. Alors, je suis pas sûr d'avoir le meilleur temps pour autant, par contre. Hein. Ah, bah si. Du coup, on a marqué 4 points. Je termine deuxième. C'est pas mal. Et du coup, bah, on va pouvoir passer à la suite. Surfside. Alors, c'est la course 4. On est premier avec un petit point d'avance. Et on est parti. Je sens qu'il va être compliqué. Oula, vous avez vu le saut qu'elle va faire? On va rester à l'intérieur, peut-être que c'est la bonne idée finalement de faire ça. Oh là là, attention. Oh, ils sont quand même assez complexes hein, les circuits. Il faut avoir une bonne, de bons réflexes pour pouvoir prendre ce tracé sans trop de problèmes. Aïe, et là on est encore tombé. Voilà, il faut bien se remettre en ligne. Ça fait gagner pas mal de temps. On va encore pousser les sagouins. Et voilà, du coup je suis bon dernier. Et je vais le rester, je sais pas pourquoi. Cinquième. Le temps autour est vraiment assez ignoble. J'ai fait un temps pourri. Je crois que mon deuxième tour était encore pire que le premier. Pourtant, je suis censé me connaître au deuxième tour le tracé. Je ne touche rien quand je saute. Hein. Je change pas ma direction. Et je finis quand même troisième. Ah, je pensais vraiment que j'allais avoir plus de mal. Alors, je pense pas avoir fait un tour excellent. 17-2, je pense pas que ce soit un bon tour. Ouais, c'est le. Bah, c'est Andy d'ailleurs qui a le meilleur tour. Est-ce que je vais devoir recommencer? Ah, je vais devoir recommencer. Bon, écoutez, on va faire une petite tentative. Et si on échoue, bah, on va s'arrêter là. Allez, c'est parti. C'est que je peux un peu plus le tracer. Ça m'empêchera pas de faire n'importe quoi, mais je le connais un peu plus. Alors, en plus, voilà. Regardez comment l'IA elle s'est complètement aidée de ma voiture pour passer devant. C'était totalement indécent. Et là, j'ai tourné, du coup, je me suis planté. Voilà, je les repousse. On repasse. Là, on traîne pas beaucoup de temps hein, par contre par rapport à eux. Le fait de cette poupée. Allez, bon, le dernier est passé, on va essayer de pas trop faire de bêtises pour. Ouais, je crois que c'est le pire chrono que j'ai fait. Mais je me suis retrouvé carrément en arrière, en marche arrière à l'entrée du. Alors, je suis un peu bête parce que je peux freiner, hein. Je vous l'ai pas forcément vu, mais on peut freiner. Je crois que j'ai même pas freiné une seule fois dans le jeu depuis le début. Mais on peut le faire, hein. on peut ralentir. Oh là, vous avez vu, j'ai fait un double. 360, c'est très beau. Je pense que j'aurais mérité un 5.9 en figure. Ah, j'ai fait pire que tout à l'heure, incroyable. Aïe aïe aïe. Puis avant dernier, c'est encore pire. Non, je me suis encore bien sorti. Du coup, il faut que je recommence. Je crois que c'est ma dernière tentative. Ah bah écoutez, on va essayer la dernière tentative.
j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as vraiment beaucoup de temps en me plantant. Voilà, vraiment les trajectoires extérieures dans ce jeu, faut pas tenter. Hein. Vaut mieux limite passer toujours à l'intérieur qui est peut-être plus lent. Et au moins quand on se touche, on évite de se retrouver à l'extérieur. Perdre du temps. Je suis à l'extérieur, j'ai encore pris pour lui. Du coup. Et voilà, et là, encore une fois, la trajectoire extérieure, c'était pas la bonne. Je suis encore plus mauvais que tout à l'heure. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai réussi encore à faire pire. Et bah, du coup, c'est fichu. Hein. Là, on est dernier, on va rester dernier. Peut-être avant-dernier avec un peu de chance. Bon, bah voilà, avant-dernier. Je crois que j'ai fait encore plus lent. En fait, c'est la dégringolade. Et du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir retourner au bus comme ils aiment bien dire. Et voilà, bah écoutez, on a échoué. C'est pas grave. Bah écoutez, donc c'était Super Skid Marks. Alors je commence super mal peut-être, peu importe, mais bon, français c'est Super Skid Marks. Sur Mega Drive, c'est un jeu que je conseille franchement si vous aimez ce genre de jeu parce qu'il est quand même assez fun, assez bien réalisé. J'essaierai de retrouver le jeu dont j'ai parlé dans la vidéo parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer. C'est un jeu que j'aimerais me refaire. Je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!